Salut les amis, c'est Ouz et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes sur la bêta de Légion et on va se pencher sur le chasseur précision. C'est la classe, en tout cas l'aspect, qui a gagné le vote. Comme d'habitude, je vous invite à voter en haut à droite de la vidéo, le petit i pour le prochain coup d'œil. En toute logique, ça devrait être le moine DPS qui était pas loin derrière. Voilà, alors le chasseur précis, donc certains sorts seront similaires au chasseur survie qu'on a vu il y a déjà quelques temps. On va pas vraiment rester longtemps dessus, mais on va passer quand même très rapidement sur chacun de ces petits sorts. Pour commencer, nous avons l'appel du familier qui va nous permettre d'invoquer donc nos familiers. Rien de particulier, petite modification au niveau des aspects. Prenons l'exemple de l'aspect du guépard. Avant, lorsqu'on l'activait, on courait plus vite jusqu'à ce qu'on le désactive. Maintenant, c'est différent, ça va être des espèces de CD, 3 minutes chacun. On va avoir un CD, on va dire, de mobilité, de mouvement avec l'aspect du guépard, et un CD def avec l'aspect de la tortue. Donc prenons l'exemple de l'aspect de la tortue. 3 minutes de temps de recharge, un instantané. Lorsqu'on l'utilise, on dévie les attaques et réduit les dégâts subis de 30% pendant 8 secondes, mais on ne peut pas attaquer. Voilà, hop, on se met sous une espèce de carapace et on réduit donc tous ces fameux dégâts. Ensuite, l'aspect du guépard, un petit peu différent, puisque lorsqu'on va l'utiliser, on va courir plus vite, 90% hein, pendant 3 secondes, donc un joli petit boost, et 30% pendant 9 secondes. Donc voilà, on augmente le mouvement, tout simplement. Je vous avoue que je préférais l'ancien aspect du guépard, mais là, ça peut nous permettre de sortir de certaines situations. 3 minutes de CD, c'est un petit peu long quand même. Là, nous avons la bourrasque de vent. Alors, c'est simplement le pouvoir de l'arme artefact, qui pour le chasseur précis, est un joli arc, hein, vous avez vu, arc plus carquois, joliment modélisé, qui s'appelle Tasse d'Aura. Donc quand on lit le petit paragraphe, canalise la puissance du vent à travers Tasse d'Aura et inflige 192 000 points de dégâts physiques à votre cible et générant pendant 5 secondes un courant d'air qui augmente de 50% la vitesse de déplacement des alliés. Alors je vous avoue que j'ai du mal à comprendre un petit peu l'utilité. Là on voit la portée, donc c'est plus de 40 mètres, hein, donc on voit 43 mètres parce que vous le savez, la maîtrise du chasseur précis permet d'augmenter la portée, on y reviendra tout à l'heure. Donc là on a plus de 40 mètres de portée, 20 secondes de recharge, ce qui est très rapide pour un pouvoir artefact, 20 de focalisation et 1,42 d'incantation. Et tout ça pour faire 192 000 points de dégâts, ce qui est fort, hein. 192 000, c'est une technique qui est puissante, mais ce que je comprends pas, c'est cette vitesse de déplacement que ça donne. Ok, c'est toujours cool hein, d'avoir de la vitesse de déplacement en plus, mais est-ce que du coup, les gens vont demander à ce que les chasseurs utilisent cette technique dans des cas bien particuliers pour aider le raid à bouger, etc. Je sais pas trop, mais bon, en tout cas, voilà. On a des dégâts, plus on a cette augmentation de vitesse qui est toujours utile en farming, en PVP, en ce que vous voulez. Donc ça se passe de la manière suivante, hop, dès qu'on tire, le cast, et boum, vous voyez, on court un petit peu plus vite. Voilà, voilà. Ensuite, désengagement, ce qui nous permet d'effectuer un bond en arrière, ça ne change pas. Là, nous avons le détournement pour rediriger la menace, notamment vers un tank, ça ne bouge pas. Enthousiasme, on l'avait vu sur le chasseur survie, instantané, 2 minutes de recharge vous rend 50% de votre maximum de points de vie. C'est clair, c'est net, c'est précis. On l'utilise, pouf, 50% de vie. J'adore ce genre de sort. Pas comme le sort du Warrior, hein, la fameuse régénération enragée qui a changé. Enfin, je sais même plus c'est quoi le nom exact, mais ça a changé maintenant pour le Warrior. Quand on utilise la technique, on prend 30% de dégâts en moins. Et on récupère de la vie que lorsqu'on fait des sanguinaires. Si on n'arrive pas à aller au corps à corps parce qu'on est kite, parce qu'on est sous Nova ou quoi que ce soit, on récupère pas de vie. Je préfère ce genre de technique. On utilise, on reprend de la vie, c'est cool. Et puis 50%, c'est quand même pas déconnant. Fin de death, on connaît tous, ça permet de simuler la mort. Flèche multiple, c'est pareil, c'est là-haut du Hunter, on va dire. Ça permet de faire des dégâts à tous les ennemis, à la cible principale et aux ennemis à moins de 8 mètres. Et ça génère 2 points de foca par cible touchée. La fusée éclairante pour voir les fufus dans une zone particulière, œil de l'aigle pour voir au loin, et là, outils familiers, voilà, tous les fameux outils pour le raise, etc. C'est du classique. Nous avons précision, voilà. Un espèce de CD aussi DPS, augmente la hâte de 40%, tire des arcanes et flèches multiples, applique toujours marque du chasseur. On va le voir juste un petit peu plus loin, hein, ce qu'est marque du chasseur exactement.
Voilà, on met ça là. Tir de riposte pour casser les écoles de magie, hein, bloquer les sorts. Tir des arcanes qui va nous permettre de générer 5 points de foca. Donc en mono, on génère avec tir des arcanes et en multi, on génère avec flèche multiple. Là, nous avons tir détonant. Alors c'est un tir qui est un petit peu particulier. Je pense que c'est pas un tir qui va entrer dans la rotation, dans le cycle DPS. C'est plus du contrôle, voilà. En PVP notamment. Donc on va tirer un déluge de traits sur les ennemis se situant devant vous, ce qui les repousse, les désoriente pendant 4 secondes et inflige 10 000 points de dégâts. Vous voyez la portée très très courte, ça permet simplement de désorienter les cibles devant nous. Le Hunter, je sais qu'il avait une technique comme ça dans le passé, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Scattershot, tir de désorientation, je sais plus, mais en tout cas voilà, c'est surtout du contrôle. Là nous avons tir marqué, un tir qui va être très important en hunt précis, focalisation 30, plus de 40 mètres de portée, mitraille rapidement les cibles portant votre marque du chasseur, ce qui leur inflige 61 000 points de dégâts et les rend vulnérables pendant 30 secondes. Et lorsqu'elles sont vulnérables, les dégâts subis de tir marqué et visées sont augmentées de 25%, les chances de coup critique de visée sont augmentées de 0%, là vous allez voir un peu plus loin que à mon avis c'est un bug, et dure 30 secondes cumulables 3 fois. Donc ce qui va se passer c'est que dès qu'on aura des cibles qui auront marque du chasseur sur leur tête, on pourra déclencher le tir marqué. Et quand on déclenchera ce tir marqué, eh bien comme vous l'avez vu, on fera plus mal avec tir marqué et visé, et on aura plus de chances aussi de faire des coups critiques, mais on va clairement revenir sur cette technique puisqu'elle est importante. Trait de choc, on ralentit la vitesse de déplacement à distance, viser, c'est pareil, on connaît bien ce sort, ça va être un sort principal du Hunter, hein. Ça coûte 50 de focalisation, 1,89 de cast, et ça inflige 50 000 points de dégâts. Alors gros problème pour moi, ça ne se caste pas en déplacement. Voilà, dès qu'on se déplace, interrompu, et ça, je vous avoue que ça me pose problème, parce que le Hunter pouvait faire des visées en déplacement, et c'est pour ça que j'adorais le Hunter, énorme mobilité. Là, caster la visée comme ça à l'ancienne, ah, ça me dérange un peu plus. Allez, maintenant, on passe au passif. Vos coups critiques avec flèche multiple augmentent les dégâts de cette technique de 60% pendant 5 secondes, de l'AOE plus puissante. Voilà, maîtrise, donc entraînement du sniper, augmente la portée des techniques à distance de 7%. Voilà, les techniques à distance, on augmente la portée par rapport à la maîtrise. Et les dégâts des techniques utilisant la focalisation de 29%. Notamment la visée, par exemple, qui fera beaucoup plus mal. Donc voilà, tout ce qui utilise de la focalisation. Là, voilà, on en est ici. Marque du chasseur. Passif. Vos tirs automatiques donnent une chance à votre prochain tir des arcanes et flèche multiple d'appliquer marque du chasseur, ce qui active le tir marqué. Voilà, ce fameux tir marqué qui est puissant. Eh bien, lorsqu'on va faire du tir automatique, on aura une chance que ces deux techniques se mettent à briller. Voilà, comme vous le voyez. Et une fois que je vais faire un tir des arcanes, je peux déclencher mon tir marqué qui lui va faire déjà très mal. Et va mettre un debuff sur la cible et va la rendre vulnérable. Vous voyez, tir marqué et visé augmenté de 25%. Mais là où ça mettait 0% tout à l'heure, regardez juste en dessous, les chances de coup critique de visée sont augmentées de 15%. Donc ça augmente bien la visée. Et quand on le refait, vous avez vu, là j'ai 2 stacks et je peux même monter jusqu'à 3 stacks. 45% de crit en plus avec visée et les dégâts sont augmentés de 75% et pour la visée et pour le tir marqué. Donc très 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 important de refresh constamment, avoir ces fameux 3 stacks. Et lorsqu'on retourne sur tir marqué, on le voit, ça met toujours les chances de coup critique de visée sont augmentées de 0%. Alors que sur le debuff, c'est 45%. Donc à mon avis, c'est juste un petit souci au niveau du tooltip. Et là, donc pour finir, nous avons partie de chasse passif. Lorsque vous tuez une cible, le temps de recharge restant d'enthousiasme est réduit de 30 secondes. C'est énorme! Parce que dès qu'on tue quelqu'un, voilà, c'est ça enthousiasme. C'est ce qui rend 50% de vie en 2 minutes. Donc là, ça passe du coup à 1 minute. Ah non, c'est 30 secondes. Donc ça passe à 1 minute 30. Mais à chaque fois qu'on va tuer une cible, boum boum boum, on va le reset. Ce qui permettra d'avoir ce buff quand même assez souvent. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, voilà. On a parlé un petit peu de tout. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a simplement, hop, tir des arcanes,
Dès que c'est entouré en doré, on peut faire un fameux tir marqué. Ça, il faut essayer de le faire le plus de fois possible, évidemment, jusqu'à avoir ces fameux 3 stacks. Donc, en attendant que ça proc, eh bien évidemment, on fait tir des arcanes pour générer, on fait viser pour utiliser. Ah, voilà, là par exemple, ça proc, évidemment, tir des arcanes. Dès que tir marqué est up, on le fait. Le but, c'est d'être à 3 stacks. Et une fois qu'on est à 3 stacks, on peut évidemment balancer la sauce. Tir marqué dès que c'est up. Viser, sinon, parce que c'est des sorts qui sont très puissants. Et ne pas oublier aussi de faire sa bourrasque de vent dès qu'elle est up, puisque c'est un sort qui est quand même assez sympa. Donc voilà ce qui se passe pour l'instant. On a une, deux, trois techniques plus la bourrasque de vent. Voilà. Alors maintenant, eh bien, je vous invite à nous diriger tout doucement vers les talents pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Loup solitaire, un talent que j'apprécie beaucoup, donc c'est un passif, augmente vos dégâts de 20%, mais vous ne pouvez plus avoir de pet. Voilà, tout bêtement, c'est quand on a envie de se la jouer solo, et je vous avoue que j'ai tendance à bien apprécier, puisque, putain merde, il a trouvé mon spot, là c'est un petit spot secret, je suis toujours tout seul, et voilà, il y a un mec qui est venu, dommage. Donc oui, moi je sais que notamment en instance, ou même en raid, je n'aime pas avoir un petit pet avec moi, c'est toujours chiant, dans certains cas c'est mieux de l'avoir, donc voilà, on change quand on a besoin de changer. Je sais qu'en PvP j'aime bien avoir un pet par exemple, donc voilà, le loup solitaire est toujours disponible. Ici nous avons focalisation assurée, un passif. Utiliser tir des arcanes ou flèches multiples, donc les deux sorts qui génèrent de la foca, 3 fois de suite augmente la régénération de votre focalisation de 25%. Donc voilà, c'est les sorts qui génèrent de la foca. Dès qu'on le fait 3 fois de suite, on augmente la régénération de foca de 25%. On veut de la foca, en voici, en voilà. Donc voilà, ça permet d'en avoir beaucoup plus rapidement. Ici, nous avons visée minutieuse. Passif, les chances de coup critique de visée, tir des arcanes, tir marqué et flèches multiples sont augmentés de 20% contre les cibles ayant 80% de leur point de vie, et ces coups critiques infligent 30% de dégâts supplémentaires en 8 secondes. Voilà, histoire de bien entamer le combat, quand une cible a plus de 80% de points de vie, on lui fait plus mal, voilà, tout bêtement. Ce genre de sort est disponible sur pas mal de classes, généralement je suis pas fan, voilà, je suis pas fan. Là, on va rester sur loup solitaire, parce que je trouve ça super cool. Ligne 30, nous avons prêt à tirer. Un passif, vos attaques automatiques à distance ont 8% de chance de déclencher prêt à tirer. Vos deux prochaines techniques visées ne coûtent alors pas de focalisation et sont instantanées. D'accord. Donc en fait, sous l'attaque automatique, on a une chance d'avoir double visée gratuite et instantanée. Voilà, là je viens de les avoir. Une visée, boum, deux visées. Moi j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc oui, moi c'est le genre de sort que j'aime bien généralement. J'aime bien avoir des procs. Déjà que on a avec les attaques auto, on a les fameux procs, tir des arcanes, qui nous permettent d'avoir tir marqué. Et une fois qu'on a 3 stacks de tir marqué, on peut balancer la purée avec des visées. Regardez, une visée, deux visées, trois visées. Généralement j'aime bien. Moi j'aime les procs. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ici nous avons flèche noire. 42 foca, 15 secondes de temps de recharge. Tire la cible. Enfin, tire sur la cible d'une flèche noire qui lui inflige 95 000 points de dégâts en 8 secondes. Déjà, c'est plutôt pas mal. Et invoque un serviteur sombre qui la provoque pendant toute la durée de l'effet. Lorsque vous tuez un ennemi, le temps de recharge restant de flèche noire est annulé. Alors, ce genre de sort, dans quel cas ça peut vraiment être utile? En farming, pour moi, en PvP. Non, pas forcément. On va taunt qui? On va taunt un autre pet? Non, voilà. En PvE, en raid, non. Enfin, même en PvE, même en instance. Généralement, les tanks, vous pouvez leur demander, ils détestent quand quelqu'un leur reprend l'aggro. Quand un pet de Hunter reprend l'aggro, ils sont là. Ouais, tu peux enlever la provoque sur ton pet, s'il te plaît, ça commence à me gaver là. Donc, généralement, il vaut mieux éviter de prendre l'aggro. Donc, à moi d'être tout seul en farming, voilà, vous allez faire des world quests, vous allez, même pendant la phase pex, ce genre de choses, pourquoi pas? Puisque vous allez mettre une flèche noire. On va essayer tout de suite. Voilà. Une flèche noire sur la cible. Vous allez proc. Je sais pas trop ce que c'est que cet animal. Un serviteur sombre là, regardez, voilà. L'espèce de chien affamé là. Et il va taunt la cible. Donc c'est plutôt cool. Quand par exemple vous jouez avec loup solitaire. Eh oui, ça peut être cool. Vous jouez avec loup solitaire. Vous n'avez pas de pet. Grâce à la flèche noire qui est dans la ligne juste en dessous. Eh bien, vous avez un pet. Et puis en gros, il va prendre l'aggro. Là d'un coup, c'est un espèce de porc. Donc, quoi qu'il arrive.
Il est là pour 8 secondes et il va taunt pendant 8 secondes. Ce qui peut être cool parce que ça nous permet de tuer la cible. Et une fois qu'elle est morte, eh bien, flèche noire, reset. Donc sur la prochaine cible, pareil, on peut invoquer un autre pet. En fait, c'est un espèce de pet ponctuel, finalement. Voilà. Après, même si on n'a pas loup solitaire, ça peut être cool. Ça nous permet d'avoir deux pets. Bon, pas mal. Mais moi, je le vois plus pour une utilisation solo. Là, nous avons visé sur passif. Chaque tir des arcanes ou visé lancé sur la même cible augmente les dégâts de ces tirs de 2% contre cette cible cumulable 10 fois. D'accord, évidemment limité à une cible. Donc tir des arcanes, ça me donne un stack. Et là, viser, ça m'en donne un autre. Tir des arcanes, viser. Et le but évidemment c'est de monter à 10 stacks. Donc généralement quand il faut stacker comme ça, c'est pour les combats plutôt longs type raid. Voilà. Donc là ça monte quand même assez rapidement, vous avez vu. On est à 9 et on passe à 10, donc on augmente les dégâts de 20%. C'est vraiment pas dégueu, hein, 20% en plus. Voilà, vous avez vu, des fois il y a des flèches qui sortent de mon corps et qui jaillissent sur l'ennemi. J'ai l'impression que c'est un pouvoir. On l'a pas vu ce pouvoir, qu'est-ce que ça peut être? Je pense que c'est l'arme prodigieuse. Vous voyez toutes ces flèches là, ta, 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 ta. C'est excellent, l'animation déjà j'adore, mais je comprends pas trop ce que c'est. C'est pas ça. Peut-être ça. Voilà, c'est ça. Héritage des coursevents passif. Visé a une chance de matérialiser 6 flèches de vent supplémentaires qui sont elles aussi tirées sur la cible en haut. Donc dès qu'on fait des visées, on a une chance d'avoir toutes ces flèches qui s'abattent sur la cible. C'est assez cool, hein, vous avez vu, l'arme artefact apporte aussi ce genre de petit truc plutôt sympatoche. Est-ce qu'on peut avoir une animation? Ce serait cool. Non, ça veut pas. On teste une dernière fois. Non, tant pis. En tout cas, voilà, vous avez vu, visée sûre pour les combats plutôt longs, ça nous permet de faire 20% de dégâts en plus, c'est pas dégueu. Je vous avoue que je préfère prêt à tirer ou flèche noire pour du farming. Voilà, pour l'instant, je partirai sur ça. Ligne 45, à toute allure. Passif, désengagement vous libère également des effets affectant le déplacement et augmente votre vitesse de déplacement pendant 8 secondes. On se désengage, on est libre et on court vite. Voilà, pérégrin. Passif, les coups critiques de vos techniques ont 10% de chance de mettre fin au temps de recharge de désengagement. Voilà, c'est très clair. Et là, nous avons célérité, augmente la durée d'aspect du guépard de 3 secondes. Donc, on le rappelle, c'est 9 secondes et là, d'un coup, ça passe à 12. Bon, là, c'est très situationnel. En PVP, on aura tendance à prendre un sort plutôt qu'un autre, etc. Rien vraiment de particulier, c'est à vous de voir. Ligne 60, tir explosif. Voilà, ils reprennent des tirs. Il me semble que ce tir-là est un tir, de même que la flèche noire, il me semble que c'est des techniques de hunt survie à la base. Mais vu que maintenant le hunt survie est passé cac, et bien d'un coup, voilà, on recycle en précis. Tir explosif, 30 secondes de recharge, déjà 30 secondes de recharge. Hein. Tire un projectile qui se déplace lentement en ligne droite. Activer cette technique une seconde fois provoque l'explosion de la munition et inflige jusqu'à 239 000 points de dégâts. Ils disent bien jusqu'à. Donc c'est puissant, hein, 239 000. Tous les ennemis à moins de 8 mètres. Les dégâts sont en fonction de la distance. D'accord, donc plus on est loin, plus on se rapproche de ces 239 000. Pop, on va se mettre ici. Voilà. Ah, vous avez vu la roquette? Ah, c'est plutôt stylé. Sauf que je suis pas fan. Je suis pas fan parce que lorsqu'on fait la flèche explosive, il faut rester sur ça. C'est-à-dire qu'on peut pas continuer son cycle. Puisque lorsqu'on l'a fait, il faut qu'on rappuie pile au bon moment pour qu'elle explose. Si on ne rappuie pas, j'ai l'impression qu'elle est perdue. On va réessayer dans 10 secondes pour voir si elle est perdue ou si quand même malgré tout, elle va toucher la cible ou pas, je ne sais pas. Mais s'il faut rester concentré dessus, ça m'embête un petit peu. Là, je vais pas rappuyer. Hein. Voilà, elle est perdue. Donc si vous ne pensez pas à rappuyer pile quand ça vous intéresse, hein, pile au milieu des ennemis, eh bien c'est perdu. Donc il faut rester concentré dessus. Dans certains cas, quand il y a vraiment besoin de faire de l'AOE en masse, ça peut être puissant parce qu'on l'a bien vu, ça fait énormément de dégâts. Donc voilà, dans des utilisations très particulières. Là nous avons Sentinelle. Instantané, 20 secondes de recharge, applique marque du chasseur à tous les ennemis près de la cible. Là c'est pareil, ça va être pour de l'AOE, on met marque du chasseur à tout le monde. Et on balance la sauce, hein, puisque je le rappelle, marque du chasseur, donc c'est ça nous permet de faire tir marqué. Et vu qu'avec Sentinelle, on va marquer toutes les cibles qui seront proches de notre cible, eh bien, quand on fera tir marqué, ça touchera
tous ceux qui ont marque du chasseur. Et donc, ça leur mettra tous vulnérabilité et ça leur fera tous, eh bien, des dégâts. Donc voilà, on est vraiment encore sur une optique d'AOE. Et là, sniper patient, passif, vous avez la patience du tireur d'élite aguerri. Augmente votre focalisation d'un maximum de 30, voilà, donc on passe à 130 de focalisation, et permet à vulnérable d'augmenter les dégâts de vos techniques tir marqué et visé de 150% au lieu de 25%, je crois. Ouais, normalement c'est 25% par stack, donc un maximum de 75%. Là c'est directement 150%, mais ça ne dure que 6 secondes. Donc dès qu'on le prend, voilà, on passe à 130, on va essayer d'avoir, voilà, on a une vulnérabilité là. Dès qu'on va faire le tir marqué, vous avez vu, regardez, 6 secondes, hein, mais d'un coup c'est 150% de dégâts en plus. Donc c'est la prochaine visée qui fera beaucoup plus mal. Je ne sais pas. 130 de foca, évidemment, c'est trop cool. Mais le fait d'avoir 150% de dégâts en plus sur tir marqué et visé, mais qui est pas de stack, voilà, encore une fois, ça, il faut attendre le TC pour vraiment savoir quelle sera la technique la plus intéressante. Mais voilà, on n'a pas ces stacks à garder. Donc j'ai envie de vous dire, sur des combats plutôt lents, là, ils mettent sniper patient, oui et non. Sur des combats lents, moi je vais préférer avoir mes 3 stacks de vulnérabilité. C'est un truc qui est plus sûr. Mais sur des combats courts, ça peut être très cool. Là par exemple, voilà, vous avez un proc. Vous faites tir marqué et juste derrière, la visée va faire mal. Et pouf, terminé. Là vous avez un autre tir marqué. Hop, la visée va faire mal. Et pouf, terminé. Pas besoin de galérer à garder des stacks et tout. Donc pour des combats très très courts, ça peut être cool d'avoir une visée qui fait vraiment mal. Ouais, on va rester sur sniper patient dans un premier temps. Sinon, tir explosif, c'est vraiment dans des cas particuliers pour de l'AE en masse. Ouais. Sniper patient. Ligne 75, tir de lien, je pense que ça n'a pas changé. C'est un fameux tir qu'on va poser, voilà, une flèche. Ça va lier un peu tous les ennemis. Dès qu'ils s'éloignent, boum, ça va les étourdir. Voilà, les étourdit pendant 5 secondes, c'est ça. Là, ça va permettre, bien simplement, à distance, d'endormir une cible pendant 30 secondes. Voilà. Et dissimulation, ça va permettre, bien, d'être en fufu, tout simplement. On reviendra dessus. Là, il y a encore un temps de recharge sur tir du lien. Mais, ouais, dissimulation, on passe, on se camoufle pendant une minute. Et en plus, on récupère 2% de points de vie toutes les secondes. Ok. Ligne 90, corbeau hargneux. Une minute de recharge. Invoque un vol de corbeau qui attaque votre cible, lui inflige 577 000 points de dégâts physiques, donc c'est balèze, pendant 15 secondes. Si la cible meurt sous l'effet de cette technique, le temps de recharge est annulé. C'est aussi simple que ça, on pose des corbeaux sur une cible, et c'est un espèce de dot, voilà, ça va faire des dégâts comme ça, tac, 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 pendant 15 secondes. Et l'animation est plutôt sympa en plus. Voilà. C'est cool comme technique, c'est cool. Là, nous avons le barrage. C'est un bordel, hein, cette technique. Parce que là, on tire une rafale de projectiles pendant 2 secondes 8 qui inflige 450 000 points de dégâts. Ainsi qu'une moyenne de 226 000 points de dégâts à tous les autres ennemis devant vous. Et utilisable en cours de déplacement. Alors, c'est cool, hein. Grosse rafale, grosse cadence de tir. Ta 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 ta. Moi, j'aime beaucoup ce sort. Mais les balles, des fois, elles partent dans tous les sens. Et combien de fois, en instance, t'as des hunters qui claquent barrage et qui vont aller chercher des packs à droite, à gauche, alors que c'était pas prévu. Donc, à utiliser à bon escient. Sur une cible mono, en PVP, moi j'aime bien utiliser ça. On arrive sur un mec, on balance tout le chargeur. Je trouve que c'est plutôt cool. Mais voilà. C'est vraiment une technique qu'il faut savoir utiliser pour éviter d'aggro tout et n'importe quoi. Et pour finir, salve. Alors salve, il me semble que c'est un sort de WoW Vanilla. Hein. Il y avait un sort comme ça où on pouvait lancer une volée de flèches, il me semble. C'est très très vague. Mais là voilà, une 42 secondes de recharge, ok. Tant que ce talent est activé, vos attaques automatiques consomment 3 points de foca. D'accord, donc là les attaques auto, ça ne consomme rien de base. Hein. D'un coup ça consomme 3. Et pour lancer une salve qui frappe la cible et tous les autres ennemis proches. D'accord, donc en fait, attaque auto, il y a des salves qui vont tomber. Ou pas. Il faut l'activer. Voilà, c'est activé. Un petit peu comme le déluge de l'âme du rogue. Il y a plusieurs classes comme ça qui ont un truc à activer. La furie des vents aussi du chamélio. Et puis voilà, nos attaques auto, elles vont coûter de la foca, mais elles vont faire tomber ces salves à chaque fois, qui vont permettre de faire des dégâts en zone. Donc ça peut être sympa à ajouter à notre cycle.
histoire d'avoir un petit peu plus d'AE. Voilà. Là, j'aime bien Corbeau sur les cibles uniques, en PVP notamment, j'adore. J'aime bien le barrage pour à peu près tous les cas parce que je trouve que l'animation est géniale. On va se la faire vite fait là. Regardez-moi ça. Ta 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 ta. Tu vois, j'ai tiré sur lui et ça va quand même tirer sur celui à droite. Mais faut dire ce qui est, ça a la classe barrage. Donc j'aurais tendance à prendre barrage que pour la classe. Dernière ligne, ligne 100. Alors là, nous avons Crotal Cornu. Drôle de nom. Ça remplace le tir des arcanes, hein, d'abord. Donc le tir des arcanes qui nous génère des points de foca. 11 secondes de temps de recharge. Alors déjà, ça... Ouais, ça c'est le genre de technique que j'aime pas trop sur le papier parce que ce que j'aime bien avec Tir des Arcanes, c'est qu'il n'y a pas de CD. Dès qu'on a rien à spam, dès qu'on a plus de foca, eh bien on sait qu'on a toujours le Tir des Arcanes de up et qui va nous générer de la foca. Donc là d'un coup, la technique qui génère de la foca est sous CD et c'est 12 secondes de temps de recharge, donc ça peut être un petit peu long. Lance des crotales cornues qui se dirige vers la cible en oscillant et infligeant 92 000 points de dégâts de nature aux ennemis touchés, ne peut pas toucher la même cible à deux reprises, et ça applique vulnérable à toutes les cibles touchées. Et ça génère 70 de foca. Et ça remplace également flèche multiple. Ah d'accord, donc on prend ça et en fait on se casse plus la tête. Hein. Que ce soit mono, que ce soit multi, on va cracher des crotales. Ils vont poser vulnérabilité à tout le monde et ils vont faire des dégâts à tous les ennemis sur la route. Et en plus de ça, ils vont générer 70. Faites voir l'animation. Ouais voilà, on quadrille la zone devant nous quoi. Bah je vous avoue que je suis pas fan. Peut-être que c'est trop fort dans des cas bien particuliers. Peut-être que ça fera vraiment le café. Mais sur le papier, je suis pas fan. Je préfère avoir ma flèche multiple en multi et mon tir des arcanes en solo. Question de goût, j'imagine. Là, nous avons le tir perforant. Donc déjà, ça coûte de 20 à 100 foca, 30 secondes de recharge. Un puissant tir infligeant 400 000 points de dégâts physiques à la cible et jusqu'à 200 000 points de dégâts physiques aux ennemis qui se trouvent entre vous et elle. Voilà, tir perforant, comme son nom l'indique, ça perfore tout le monde jusqu'à la cible. J'aime bien ce genre de tir violent, perso. C'est... Ouais, j'aime bien ça, généralement. Regardez-moi ça. Boum ! Wouah ! 9 millions et quelques. Donc, l'animation est partie tellement vite qu'on n'a même pas pu en profiter, mais ça enlève quasiment 10 millions. Ça a l'air d'être un tir effectivement très puissant. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, c'est qu'un tir. Et là, nous avons tir piégé, passif, visée, ricoche désormais sur toutes les cibles vulnérables, donc les cibles vulnérables grâce au tir marqué, et leur inflige 30% des dégâts normaux, d'accord ? S'il n'y a pas d'autres cibles vulnérables, les dégâts de votre prochaine visée sont augmentés de 15%. Ok, donc en fait, on renforce la visée et en mono et en multi. Donc, par exemple, regardez, ça ricoche sur toutes les cibles vulnérables. Donc, si on a Sentinelle, par exemple, Sentinelle, on la met sur notre cible. Du coup, notre cible aura marque du chasseur, ainsi que toutes les cibles à côté. Juste derrière, on pourra faire un tir marqué. Le tir marqué va poser vulnérabilité à tout le monde. Et après, ouais, non, je vois pas trop quel combo on peut faire. Ouais, non, si, c'est bien ça, en fait, hein. Puisque là, la visée ricoche sur toutes les cibles vulnérables. Donc, Sentinelle qui pose la marque à tout le monde, tir marqué qui va rendre vulnérable, donc, tous ceux qui ont la marque, et puis après, visée qui va, du coup, ricocher sur tout le monde. Donc, ouais, c'est un sort qui va permettre de faire en sorte que visée ricoche, donc, c'est des dégâts de zone, hein, de l'AOE, et puis, s'il n'y a pas beaucoup de cibles, eh bien, c'est 15% de dégâts en plus. Voilà, bon. On va le prendre pour tester, quand même. Passif, tac, une visée, et là, la prochaine visée fait 15% de dégâts en plus. Ouais, bon voilà, si on part sur des espèces de combos du schnapps avec sentinelle plus tir marqué plus tir piégé, ça permettra de faire de l'AOE, et puis, s'il n'y a pas toutes ces conditions, ça permet de faire une visée plus puissante, voilà, tout bêtement. Donc dernière ligne, j'aurais tendance à prendre, j'aime bien le tir perforant, regardez-moi ça. Boum! Allez, terminé. Ça touche les deux cibles en plus. Elle est pas en travers du chemin, rien. Elle est à côté, hein. Bon. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du fameux Hunt précis. Donc, comment ça se passe? Évidemment, tir des arcanes dès qu'on a besoin de foca. D'un coup, dès que ça proc, dès que c'est doré, on peut faire
le fameux tir marqué, ce qui va nous permettre de poser un stack sur la cible. Ah oui, mais là, j'ai pris le amélioré. Donc, on va plutôt partir sur autre chose comme sentinelle. Voilà. Hop. Donc, oui, comme je vous le disais, là, j'ai eu un proc. Tir marqué. Et j'ai un premier stack. Hop. Après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, évidemment, on peut faire le fameux tir perforant qui est très puissant. Donc, il faut le faire à chaque fois que c'est up. On peut faire aussi la fameuse bourrasque des vents à chaque fois que c'est up. Et puis, on repart sur notre cycle basique. On fait de la foca, on fait de la visée quand on a beaucoup de foca. Et on fait tir des arcanes quand on n'a pas beaucoup de foca. Et puis, évidemment, tir marqué à chaque fois que ça proc. Vous voyez, j'ai les trois stacks qui sont là. C'est comme ça que ça va se passer. Là, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je fais viser. Hop, je peux faire mon sort d'arme prodigieuse. Et d'un coup, j'ai le tir perforant. Boum! Et puis, je repars évidemment sur mes tirs des arcanes. J'ai visé qui est possible. Je l'ai fait. Et j'attends un proc. Voilà, j'ai un proc. Boum! Tir marqué. Boum! La visée. Voilà. Tout simplement. Alors, évidemment, après, à côté de ça, je peux introduire des choses comme mon fameux racial qui me permet d'avoir de la hâte en plus, comme le fameux sort précision qui me permet d'avoir beaucoup de hâte en plus et de faire en sorte que tir des arcanes et flèches multiples appliquent toujours marque du chasseur. Vous voyez par exemple, là je suis en train de jouer, hop, j'use mes CD et on constate que je n'ai aucun proc. Et mon vulnérabilité va bientôt partir. Bon bah là j'ai eu un proc, j'ai eu de la chance. Mais lorsqu'on constate que voilà que ça va bientôt partir, on peut claquer le CD, ce qui me permet directement d'avoir du tir marqué. Vous voyez aussi, pour engager le combat, ça permet de poser ces trois stacks très 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 rapidement. Hein, puisque vous voyez, à chaque fois, j'ai ce fameux proc. En plus, j'ai les procs de visée qui arrivent. Voilà, proc, proc, proc. Pas mal de proc, hein, des fois. Et ça, c'est très 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 plaisant. Donc, je pense que pour commencer le combat... j'ai oublié qu'en plus que j'avais le barrage. Wow, j'ai oublié le barrage. Regardez-moi ça, on va se faire plaisir. Bam, 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 bam. Ouais, ça me fait un petit peu mal au crâne, tous ces procs, étant donné que je ne connais pas du tout le Hunter précis en plus. Donc là, j'essaye d'apprendre un petit peu aussi tout ça en même temps que vous. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Oh, il fait beau tout à coup, hein, vous avez vu? Vous avez compris l'idée. Je pense que c'est une très 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 bonne chose de commencer le combat avec précision. On a directement des procs, on pose nos tirs marqués, on a les trois stacks de vulnérabilité. Et après voilà, on fait tir perforant dès que c'est up, on fait bourrasque dès que c'est up, on fait barrage dès que c'est up, et après on repart sur notre routine, viser pour utiliser de la foca, et tir des arcanes pour générer de la foca. Et puis évidemment, lorsqu'on a besoin de faire de l'AOE, eh bien ce qu'on peut faire c'est directement, regardez, sentinelle, tir marqué, les deux cibles sont marquées, hein, vous avez vu, vulnérabilité ici, vulnérabilité là. Et puis après évidemment on peut partir sur nos fameux tirs, comment ça s'appelle, flèches multiples. Voilà, voilà. Bah écoutez les amis, ça y est, on a fait le tour de cette classe. Comme vous le constatez, il n'y a plus aucun piège en Hunt précis. Ça va jouer sur des procs. Et puis voilà, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, je vous le rappelle très rapidement, n'hésitez surtout pas à voter pour le prochain coup d'œil. Vous avez juste à cliquer sur le petit i en haut à droite, vous cochez, ça prend une seconde et demie. Et au moins, moi, ça me donne une indication sur la prochaine classe à couvrir. Voilà, voilà. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine. Tchuss !